un zerg versus zerg. Et qui de mieux que un zerg pour commenter cette partie? Faites, refaites un triomphe pour Momo! Vous êtes vraiment chaud, mais vraiment, vraiment chaud. Ça fait plaisir. Vous faites rêver des nines, hein. Il faut le dire, vous faites rêver des nines! Alors, on a deux profils qui sont complètement différents. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a d'un côté Don Grégou qui s'est imposé contre Stefano. Et contre Stefano qui était un zerg plutôt macro. Don Grégou qui s'est imposé, et je ne sais pas si tu te rappelles, il avait un BO avec le plus 1 d'armure. Et on a Nesty qui est le joueur teaser, le joueur plus agressif, excellent contre zerg aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Bah, mon cœur est pour Nesty, mais le favori c'est de loin DRG. Donc est-ce qu'il va faire quelque chose? Franchement, il va jouer agressif, il y aura peut-être des bons petits cheese, des bons petits macros. Oh, on aime ça, on aime les trucs sales. Est-ce que vous aimez les trucs sales? Voilà, un peu. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de zerg, donc du coup, a priori, ils aiment les trucs sales et visqueux. Mais pourquoi est-ce que tu penses que Don Grégou est favori contre Nesty? Bah parce qu'en fait, Nesty, tout au début, à la bêta, la saison 1, 2, 3, bah, il a gagné 2 GSL, il était très très chaud, il était sous les projecteurs, donc il s'est fait voir, ils ont pu analyser son jeu. Ils sont chauds. Hein. Et le problème, c'est que DRG vient d'arriver, bon, ça fait longtemps, mais maintenant, il est beaucoup plus fort, il est devant, il fait partie des trois, je pense, top 3, top 2 meilleurs zergs du monde. Ouais. Donc quand même, mais après, Nesty aussi, il est derrière, mais il peut faire un massacre. Hein. Et puis Nesty, ça fait longtemps qu'il a annoncé qu'il s'entraînait quand même exclusivement pour Iron Squid. Donc je pense qu'il ne faut pas le compter en dehors de cette rencontre. Pour moi, elle est assez difficile à pronostiquer, cette rencontre. Et je vais m'en référer au public. Du coup, pendant qu'on a les joueurs sur la carte, j'aimerais bien savoir qui dans la salle est pour Nesty. Faites du bruit! Ok. Et qui est dans la salle? Alors, qui est pour DRG dans la salle? C'est très très équilibré. Ouais, mais il y en a qui trichent, hein. Je vois les mêmes qui crient pour les deux. Donc bon, mais c'est vrai que Nesty, c'est chez lui ici. En même temps, le public s'est gouré pour la rencontre précédente. Je sais pas si on peut leur faire confiance. Oh. Alors, revenons dans la game. Attention. Il y a deux poules 10. Oh, et je vous avais dit des trucs sales, bah ils sont là. Attends. J'ai l'impression que ça continue dans la saleté là. Ouais. On a un poule 10. Avec un gaz, attends. Ouais, c'est ça. Ah, avec un gaz, ok. Et donc en fait, DRG. Un poule 10 sans gaz. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas de figure? Bah là, Nesty est parti pour un truc encore plus sale que DRG. C'est vraiment dégueulasse, là. Ouais. C'est immonde. Ouais, on peut le dire, on aime ça. Et en fait, c'est pour partir sur banning avant speed, normalement. Donc il va partir avec 6 erglings, sans queen, agresser, banningless, balancer 4 banlings. Et après, vraiment jouer vraiment l'agressivité. DRG en face, lui, il part sur 6 erglings. Il va sûrement balancer sa queen après. Il va essayer de se protéger, là ça va être vraiment de la micro contre de la micro, hein. Ouais. Ça va être très très chaud. Hein. Et surtout ce qui va être intéressant, c'est quand est-ce que les deux joueurs vont arrêter de faire des erglings pour faire des drones? Quand est-ce qu'ils vont juger qu'ils sont capables de défendre une agression de leur adversaire? C'est quand même une information qui est très très difficile à avoir. Allez, Nesty qui scoute les erglings de Don Grégou en face. Regarde comme il joue très intelligemment. Ah, il les cache. Il les a cachés. Regarde, il les cache dans le coin, il sait que le volant va arriver. Il a vu les erglings avant, il dit je vais te rester, viens chez moi, je vais t'attraper, et c'est Nesty. Mais du coup, Don Grégou n'a pas vu de deuxième base, pas vu Zergling. Allez, les erglings qui sont révélés. Oh là là, mais c'est dingue, c'est la première fois que je vois ce genre de truc. C'est parti. Oh, les erglings tapent fort, comme on entend. Allez, l'affrontement de Zergling. Le Zergling speed, regarde. Nesty, du coup, n'a pas fait de banning. Il en profite pour rechercher Zergling speed. Donc, il a ajusté son jeu. Il va avoir Zergling speed bien avant son adversaire. Mais du coup, il n'aura pas de banning. Bah là, je sais pas. Niveau économique, je crois que Nesty est un peu derrière. Niveau économie, mais après, s'il peut prendre la fight et dès que la speedling va arriver, il va pouvoir faire. C'est parti. La micro, un gling donné, circuler. Et là, ils vont repartir à masse drone là. Allez, Nesty qui défend la première agression. Alors pour l'instant, on a du mal à juger. Je pense que Don Grégou a un peu plus d'économie parce qu'il a eu plus de minerais.
Donc il a pu faire plus de drones. Mais par contre, je pense qu'il a, bah, qu'il aura Zergling Speed bien après Nasty. Bah attends, mais là, c'est tendu. Nasty qui prend B2 déjà. Niveau économique, c'est vraiment très très chaud. Hein, parce que là, il prend B2, il a peut-être un tout petit peu moins de drones. Il a Spinning déjà. Là, Nasty est bien dans la game. Attention, attention, Dondregou. Dondregou qui est en train de défendre avec ses Zerglings dans sa B2. Voilà, un petit affrontement de Zergling. Les Zerglings de Nasty qui vont partir. Et la B2 qui est prise. Est-ce qu'elle est scoutée pour l'instant? Bon, Nasty a un Overlord dans le coin. Il va être capable de la scouter très rapidement. Et là, on voit que Nasty, il a remarqué qu'il allait prendre B2 DRG. Donc, il fait sur masse Zergling et il va attaquer dès qu'il... Regarde, voilà, voilà le all-in de Nasty, ça va partir. Il aura une petite fenêtre ça, et ça peut faire très très mal. Et ça, c'est vraiment sa spécialité. Hein. C'est, il l'avait fait aussi dans des parties précédentes. Et là, il le refait. Il refait face à une... Ouais. Je ne me rappelle plus de qui était son adversaire. En tout cas, il l'avait fait. Et là, du coup... Oh là là. Est-ce qu'il va y aller maintenant? Parce que là, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre où il peut attaquer maintenant. Le Banlines n'est pas encore fini. Il a moins de drones. Là, c'est parti. Alors là, plus il attend, plus c'est la merde. Parce qu'en face, il y a DRG qui aura Banlines bientôt fini. Ça va être très, très chaud. Et il préfère attendre. Oh, la petite fenêtre qui va se refermer. Ah, je le sens mal pour Nasty. Là, attention, Nessie qui va vouloir passer à l'attaque. Pour l'instant, le positionnement de Dondregou qui est très, très bon. Puisque Dondregou contrôle la choke. Mais il va back. La Queen qui est en train de prendre cher. Ah, c'est beau, c'est beau. Oh là là, Nasty qui emmène beaucoup de Zergling. Est-ce que Dondregou est capable de défendre? Ça va se jouer à quelques secondes. Ça va être très chaud, il voit les Bannings avancer. Il met 3 Zerglings sur les Bannings. Les autres Zerglings sont là, s'il veut l'annuler. S'il arrive à l'annuler, il sera bien. Ça va être très chaud, le Banning qui est bloqué avec l'autre Banning. Et la Queen, l'âge qui va... Allez ouais. Ah, très bonne opération de Nasty. Et là, il va reculer, il va jouer safe, il va faire des drones, il va sûrement faire des bannings. Et là, maintenant, Nasty qui prend l'avance, qui prend le devant. Mais alors, Dondregou qui continue à faire des Zerglings. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas envie d'en rester là. Quand on va remettre la production, j'ai vu un petit paquet de Zerglings. Ouais. Et ouais, on va avoir une contre-attaque de la part de Dondregou. Il sait qu'il a déjà le Banning Nest, il va avoir Zergling Speed. Il va avoir un créneau d'attaque. En face, j'ai pas bien vu s'il y avait le Banning Nest chez Nasty. Oui, il y a le Banning Nest. Ok, quoi qu'il en soit, on a un run by de Nasty qui, pour l'instant, envoie un Zergling. Et derrière, toute la masse qui vient infliger du dégât à Nasty. Oh, regarde. Le problème, c'est que derrière, il a rien fait. Il reproduit 16 Zerglings. Il a pas encore de Banning. Ça va être vraiment très, très chaud. Allez, là. La défense. C'est parti. Oh, Dondregou qui est passé, qui a complètement encerclé cette Queen. Est-ce que Nasty va être capable de défendre? Ça va être chaud, je crois qu'il y a beaucoup de banning qui est en train de se produire. Ils vont arriver, la masse banning qui va arriver. Ça va être très chaud, il faut que les queens visent. Il va voir la micro magistrale de Nasty pour pouvoir. Attention, ça va péter. Et le bon hold position, de Dondregou qui l'a tué. Il a dû prendre 4 drones sur ce move. Nasty qui défend, mais qu'est-ce que c'est tendu quoi. Mais là c'est affolant parce que là c'est à une seconde d'inattention, tu peux perdre un pack de Zerling et tu peux perdre la game. C'est vraiment là, je pense que c'est vraiment très intense pour eux deux. Ils doivent avoir le dos bien pressé. Et ce qui est impressionnant, c'est que Dondregou est vraiment capable de s'adapter à son adversaire. Il était capable de jouer macro contre un Zerg macro et il est capable de jouer super agressif contre un Zerg comme Nasty, donc je trouve ça vraiment hallucinant. Attention, la contre-attaque de Nasty, énorme attaque de la part de Nasty. Non mais cette partie, elle va pas durer là, c'est pas possible. Oh, le banning, il faut faire attention, le banning peut faire un massacre. Oh, beaucoup de Zerglings qui ont été tombés, un banning qui tombe, c'est parti. On va voir, est-ce que ça va faire un split? Ouh, oh. Oh, 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 le bon split. Oh, le bon split de Dondregou. Ah. Il tue quand même 4 drones. Voilà, 9, 8, ça se donne des coups, mais genre, tu me donnes un coup, bah ok, c'est reparti. Et regarde dans la barre de production, Nasty qui avait lancé des Zerglings, mais qui lance le T2, des drones et une spine. Et la partie se calme. On peut respirer, les amis. On peut. Et au final, regarde la barre de production. Exactement, les deux joueurs sont très très proches. Waouh, hein. Wow, c'est vraiment, regarde, 32-34, l'air au même moment. Evo Chamber tous les deux. Donc s'il part sur Evo Chamber, normalement, il devrait partir sur Roach. Bon, après, hein. Là, on a une petite agression de la part de Dondregou, mais bon. C'est un seul banning, c'est juste pour mettre la pression, c'est potentiellement pour forcer Nasty à faire des Zerglings, mais en fait, c'est une agression très légère. Ce que je trouve dingue, c'est qu'après toute cette agression,
Voilà, les unités perdues, c'est quasiment la même chose. Voilà, tout est similaire, exactement la même chose. Le plus sain, le Roach Warren. Ils se rendent vraiment coup sur coup. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de favori dans cette rencontre. C'est vrai que dans les pronostics, par exemple, on avait demandé à Marine King Prime ce qu'il pensait de son adversaire. Et il avait dit, de toute façon, on était en train de parier sur qui rencontrerait Nesty en petite finale, tu vois. C'est comme si pour eux, c'était évident. Mais dans les faits, on se rend compte que Nesty tient tête à Dondrego. Nesty s'est entraîné pour. Donc il s'est entraîné son ZZZ. Il savait qu'il jouait DRG. Attention, hop là. 4 Zergling tombé. Et donc il est préparé. DRG, je pense pas qu'il a préparé autant que Nesty. Donc on va voir là l'Overseer qui map. Ouais. Roach Warren, chambre d'évolution. Du coup. Oh, regarde-moi ça. Au même moment, la Festival. Incroyable. Oh là là. Incroyable. Et alors je sais pas si t'as vu tout à l'heure quand on avait l'interview des deux joueurs. Il y a Marine King Prime qui est passé devant avec Rice. Qui les a regardés. Ouais, voilà. Qui les a regardés en mode, c'est qui que j'éclate en petite finale. Oh là là. Bon, bah, B3. Ouais. Là, j'ai le sentiment que cette partie va se jouer sur un détail, quoi. Quand on regarde les barres de production, on se dit... C'est à peu près la même chose. Bon, là, il fait plus de rôle. Positionnement, peut-être. Ouais. Ça va jouer là-dessus, ça va jouer si... Est-ce que je vais essayer d'annuler ta B3? Là, c'est parti, on voit DRG qui va essayer d'annuler la B3 de Nasty. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est d'annuler la B3, de le sanctionner, de le faire annuler pour que finalement sa B3 le finisse. Et après, c'est vraiment les positions de main, ça va être ouf, quoi. Genre arc de cercle, la concave en U... La fameuse concave en U. Allez, un petit Belling qui vient d'exploser. Ça, c'est vraiment une particularité du jeu de Dondrego, cette volonté de systématiquement annuler les troisième bases avec des Zerglings, avec une quinzaine de Zerglings. Allez, un petit run-by de Dondrego. Regarde-moi ça, il va pouvoir peut-être l'annuler, regarde. Et là, je crois que c'est un contre-attaque derrière. C'est-à-dire qu'il va perdre cette base, mais il s'en fout. Il veut détruire la base de DRG là. Mais DRG qui a lancé 4 infestateurs qui vont sortir dans quelques secondes. Il a lancé des roaches, voilà, la B3 qui a été annulée. Est-ce que Nesty va être capable d'infliger des dégâts? Ça va se jouer à quelques secondes. On va voir les infestateurs qui vont pop-up là, regardez les œufs. Les œufs vont pop-up là, je le sens. Voilà, hop, bim, bim, bim. Voilà, fongle. Waouh. Ah mais du coup, les infestateurs sortent des œufs, Nesty peut peut-être les focus. Non, ouais. Bon fungal, wow. Dondrego s'en sort. Oh là là, la seconde près. Ah non mais... Les infestateurs qui sortent à la B2, ça sort direct au bon moment. Hop, je te balance des fungal et je t'attrape tes roaches. Là c'est reparti, il va essayer encore d'agresser. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de roaches. C'est parti. Allez, bon fungal. Et du coup, je me demande s'il n'y avait pas eu un petit oubli de glande pathogène. Ou alors il avait fait la phase d'infestation un peu trop tôt, Nesty. Du coup, Dondrego qui a plus d'infestateurs et plus d'énergie que son adversaire et qui a une B3 alors que Nesty vient de la poser. Donc Dondrego qui se retrouve légèrement devant. Le fait que DRG essaie d'agresser avec beaucoup de Zerglings, donc derrière, Nesty pense qu'il n'a pas beaucoup de roach, donc il a une fenêtre, donc il laisse tomber sa B3. Il pensait pouvoir vraiment sanctionner la B2, mais ça s'est joué vraiment à 5 secondes près. Bim, les infestors, et là, à partir de là, je suis désolé, mais Nasty est pas très très bien là. Allez, les roaches qui défendent. Bon. Là, la partie se calme. Voilà, on a un bon map control de la part de Nasty, qui voit quand même bien l'armée de son adversaire. Voilà, il se fait sniper un Overlord. Et pareil, hein, si tu regardes la minimap, excellent map control de la part de Dondrego. Sauf que les infestors sont là, ils vont pop-up toujours 2 œufs. Avec 2 œufs, tu peux tuer l'Overlord sans problème. C'est pas possible avec un œuf. Non, parce qu'il a le temps de partir et vu qu'il essaie d'avancer, c'est trop loin. Reviens. Donc c'est très dur. Okay. Et là, DRG qui prend le contrôle de map. On le voit, il tue. Là, il le fait avec un œuf parce qu'il a pas pu le tuer. Donc c'est parti. Mais ça, ce sont des configurations qui peuvent vraiment tourner à l'avantage de l'un ou l'autre des joueurs très très facilement. Attention. Tout dépend de la concave et des fungles. Nesty, attention, bon fungle. Néanmoins, les infestateurs de Nesty se dirigent lentement vers la B3. Ouais, les dents de requin, les dents de la mer. Ouais, attention, ça se dirige vers la B3. Et du coup, Dondrego qui attaque. Peut-être parce qu'il n'a pas vu d'infestateur, il se dit « Où sont tes infestateurs? Tu n'as rien, je passe à l'attaque !» Regarde comment il split. Il laisse quelques roaches sur la B3 pour l'annuler, et il laisse des roaches devant la B3. Donc tranquillement, je t'annule cette base, je split bien. Oh là là, les infestateurs qui vont être sur... Regarde, les infestateurs, si on voit la minimap, ils sont sur la B2 de DRG et sur la B1
de DRG, donc ça va être, voilà, c'est parti. Allez, les œufs qui sont popés de la part de Nesty, il faut absolument que Nesty inflige de gros dégâts avec ses œufs, parce qu'il a perdu sa troisième base, parce qu'il est derrière en termes de population. Oh, quand même, ça fait mal, il va peut-être faire tomber l'air. Et donc là, DRG qui repart direct au lieu de direct foncer dans le lard. Donc là, il préfère vraiment se protéger parce qu'il sait qu'il a détruit une base. Il n'a pas perdu beaucoup de drones. Il a pu repartir tranquillement. Et en plus, il prend B4. Donc il vaut mieux jouer safe que rentrer. Ok, ouais. Bon, en termes de récolteur perdu, c'est vrai qu'il n'en a pas perdu beaucoup. Ça défend. C'est difficile de voir où est-ce que les deux adversaires... La B3 de Nesty est quand même tombée. C'est vrai que c'est pas optimal. On a 9 infestateurs de la part de Don Drago. Bah, c'est surtout que DRG a switché beaucoup plus tôt que Nesty aux Hydra. Donc il y a beaucoup, beaucoup plus de DPS. Et au moment où il sera à 200, il va prendre une belle concave. Et je pense que ça va être fini pour Nesty. Il a quand même une avance avec une base en plus. Ouais. Il récolte tellement. Là, c'est vraiment très, très dur pour Nesty. Allez. Hop, c'est vu. Allez. Oh. Il va cracher ses petits œufs. Avant de mourir. Et du coup, pour l'instant, Don Drago qui est en train de nettoyer, qui joue safe. On a l'impression qu'il veut pas. Il veut pas que cette partie se joue sur un coup de poker. Ouais, c'est ça. Bah là, il a pas besoin. Il est vraiment bien en avance là. Il dit non, c'est toi qui vas te faire le coup de poker. Si tu veux gagner, c'est toi de m'attaquer, de prendre une mauvaise concave. Hop. Et encore, regarde-moi. Encore des œufs qui pop, qui rend fou DRG. Mais ça lui fait gagner du temps, donc c'est un bon point. Et là, on voit, il passe à Hive, deuxième Evil Chamber, donc il veut vraiment jouer sur les upgrades. Ouais, il y a un petit changelin dans l'armée de Don Drago. Du coup, Nesty est capable de situer cette armée. Nesty qui va chercher le 200 de pop, j'ai l'impression, qui joue ultra défensif. Il sait que si Don Drago se commit trop, il pourrait le fungle et il peut lui retirer une salve de roach en perdant quasiment rien. C'est vraiment une question de prise de fight là-dessus. Et Don Drago sait que s'il attaque, il va attaquer dans une concave qui lui sera probablement dépendante. Oh, il a bluffé. Et là, c'est un petit coup de poker parce qu'il a dit « Je vais descendre, ouais, comme ça tu vas repartir, c'est parti. » Attention. Il prend une meilleure concave. Où les roches qui sont derrière. Et du coup, Don Drago qui prend la meilleure concave. Oh là les là Hydra là. qui tapent. Nesty qui s'est fait complètement break par Don Drago. Le coup de poker, il avait vu le changeling, il l'a vu. Il a dit bon, je pars, comme ça il va descendre. Et en fait, non, je t'attrape et la concave est GG. GG.
Le thème de Dondregu, implacable comme le joueur, exécuté par Inukronia. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Inukronia! Ouais! Les chevelus de l'équipe au gaming. Les cheveux longs! Allez, 1-0 pour Dondregu. Oh là là, mais il a été tellement malin dans le positionnement de son armée. À la fin, c'était ouf, quoi. C'était vraiment un coup. Bah, finalement, il a fait le coup de poker. Il a dit, regarde, je vais essayer de te bluff. J'ai 200 de pop. Je vais essayer de prendre la meilleure concave. Je descends. Hop, il descend. Et en fait, je monte. Bah non, bah, c'est fini. Belle explication, hein. Non, effectivement. Ok, et c'était nul. Bah, c'est clair que quand t'as une meilleure composition, et on va dire les concaves étaient équivalentes, mais quand t'as les hydras en plus, ça fait toute la différence, quoi, dans ce match-up. En tout cas, les deux ont été super agressifs et Dondregu implacable. Alors, j'ai hâte de voir ce que les deux joueurs vont nous réserver. En tout cas, ils sont en train de se préparer. Ouais. Va falloir vous motiver, hein, motiver Nasty. Hein. Donc, il faut gueuler tous ensemble, Nasty. Nasty, 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 Nasty. Est-ce qu'on fait la même chose avec DRG? Bah oui, hein. Bon, on va faire la même chose avec DRG. Ceux qui sont pour Dondregu, 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 Dondregu. Il y en a un peu moins quand même. Ah, tout à l'heure, on a fait un test. Ils étaient aussi nombreux. Bah, ils se sont peut-être endormis en fait, peut-être. C'est décevant. En tout cas, les deux joueurs qui se préparent. Qui doit être déçu, Nasty, hein, parce qu'il veut gagner quand même. Hein.